Il a repris, oui, il a repris mardi. Hier, il avait une séance allégée. Aujourd'hui, il a fait la séance avec le groupe, la séance complète. Ouais. Donc, il est dans de bonnes dispositions. Non, pas du tout. Il n'y a pas eu de demande particulière par rapport à ça. Ben, je les félicite parce qu'ils vont vivre un bel événement. Mais il nous reste nous aussi un match important à jouer. Donc, on aura besoin de toutes les forces vives au sein du club pour jouer ce match. Non, 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 pas spécialement, mais bon, après, je ne sais pas leur état d'esprit, je discuterai avec eux par rapport à ça, mais pour l'instant, non, non, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Mais comme je vous l'ai dit, après le match, c'était un sentiment qui était quand même mitigé, parce que bon, on voulait faire quelque chose de bien à Clermont. Voilà, après, il ne faut pas banaliser le point non plus qu'on a pris. On voulait gagner, mais bon, ça ne s'est pas produit comme on l'aurait voulu. Mais bon, là, voilà, maintenant, le plus important, c'est le match de Reims. On a bien bossé cette semaine par rapport à ça, et on va donner le meilleur de nous là sur ce dernier match pour pouvoir basculer un peu plus sereinement. Oui, ben on est dans la continuité, on continue de bosser. Je sens les joueurs concernés, les joueurs impliqués. Après voilà, c'est le déroulement d'un match, ben comme le match de Clermont, ça on peut pas le prévoir, mais nous de notre côté voilà, on prépare le match le plus sérieusement possible et dans les meilleures conditions. Ouais, ben c'était important de casser cette spirale, mais bon après au vu de la situation, il y a encore pas mal de boulot et ça passe par une victoire dimanche à La Mosson, donc on sera mieux avec cette victoire s'il y a victoire. Ouais, ben ça, ben incontestablement, parce que bon après il y aura une coupure, on sait qu'on est en dette de points par rapport à ça, donc oui forcément ça va être un tournant. En fonction du résultat qui va arriver quoi, mais bon ça on est préparé à ça, c'est notre quotidien, on sait à quoi s'attendre, donc on va répondre à l'événement. Ouais, il y a eu c'est vrai qu'il y a eu il y a des phases où on est capable d'alterner le bon le moins bon, et c'est sur ça où on essaye de bosser pour avoir une organisation qui reste assez compacte pour être solide et pour pouvoir mieux attaquer surtout. Parce que notamment sur le match de Clermont, il y a des phases de jeu où on aurait pu beaucoup mieux faire en phase de possession avec le ballon, dans les phases de transition. Mais il faut avant tout garder cette régularité et cette constance au sein du match. Ouais. C'est pas évident, mais à partir du moment où les points sont en jeu, on sait qu'il y a un challenge qui est possible. Après, c'est à nous, de faire le maximum pour justement avoir le plus de points possible. Alors oui, c'est vrai que c'est un nombre de points qui est assez conséquent. Mais bon, je veux dire, pourquoi pas se donner l'ambition. On doit, quand on est compétiteur, quand on est joueur professionnel, on doit avoir cette ambition de tout donner pour essayer de récolter le maximum. Alors ça fonctionne pas toujours, mais bon, le plus important, c'est de donner le maximum et de pouvoir se regarder à la fin du match. Comme j'ai dit, il y a eu des bonnes choses sur le plan défensif. Il y a eu de la solidité. J'ai vu des garçons engagés, j'ai vu des garçons communiqués, il y a eu des bonnes choses. Après, il y a eu de moins bonnes. Donc on continue de bosser. On peut pas se permettre de se reposer sur ce qu'on a fait sur le match de Clermont. Ça doit être une base, mais il faut rajouter encore plus. Oui, ben j'essaye de discuter avec lui parce que bon, je connais le poste aussi, donc je peux lui apporter quelques billes par rapport à ça. Mais voilà, c'est un garçon qui a beaucoup de disponibilité, qui voit les choses aussi avant, donc il faut qu'il se serve de ça pour être performant et plus il va rester simple dans le jeu, meilleur il sera. Ouais. C'est des joueurs différents, donc là je les ai utilisés sur des moments différents par rapport à un adversaire, par rapport à un contexte aussi. Donc je voulais amener aussi de la fraîcheur dans cet entrejeu, donc je les ai utilisés différemment, ouais, mais c'est ils n'ont pas les mêmes qualités. Oui. Ouais, je lui ai réservé mon retour, mais bon je le ferai pas ici. Oui, il a des qualités, mais faut maintenant faut qu'il travaille, faut qu'il continue de progresser parce que bon, il a une marge de progression qui est assez intéressante, donc il faut pas qu'il s'endorme sur ce qu'il a produit. Non, mais déjà je suis focus sur le match de Reims, donner le maximum, essayer de remporter, tout faire pour remporter ce match-là. Alors oui, on est obligé d'être dans l'anticipation, mais bon voilà, ce qui m'importe le plus c'est vraiment ce match de Reims. Ouais. Mais après, oui, il faut anticiper ce qui peut se passer par la suite. Ouais.
Je vais dire Oui, peut-être, mais bon, c'est pas mon souci là. Mon souci, c'est de remporter ce match et franchement, on fera le point après par rapport à ça. La situation du club aujourd'hui me préoccupe plus que mon avenir personnel. Ouais. Heureusement, je les ai regardés. Et non, ben voilà, c'est une équipe voilà qui a aussi changé d'entraîneur, qui a retrouvé un certain dynamisme dans le jeu avec des phases de jeu offensives assez intéressantes. Donc voilà, on va essayer de les contrarier, de les contrecarrer sur ce match-là. Non, ben aujourd'hui, ben Stéphie, voilà, il fait son retour après la suspension. Il a travaillé fort pendant les 15 jours où il a été suspendu pour justement garder le rythme et être en capacité de nous aider voilà, sur ce match-là. Alors ça fait partie, oui, des joueurs importants ici au club. Donc on attend de Stéphie voilà, qu'il soit le plus performant quand il sera sur le terrain. Non mais voilà, Pedro est toujours en phase voilà, où il se fait soigner. Normalement, il devrait être sur la phase de reprise au niveau du 28 pour reprendre. Et il devrait être opérationnel par rapport à ça. Après, à voir comment il va se sentir, ça je peux pas vous le dire. Mais il est voilà, il est dans une phase où il devrait pouvoir reprendre.